Depuis 2 ans, Vita monopolise littéralement le devant de la scène musicale. Après un album à immense succès en duo avec Slimane, la chanteuse a enchaîné avec un autre disque où elle chante en trio avec Amel Bent et Camélia Jordana. Mais aussi avec la réédition de son opus avec Slimane, qui comporte de nouveaux titres. Ajoutons à cela les nombreuses apparitions télévisées et représentations en tout genre. La jeune maman mène en ce moment un train de vie à 100 à l'heure. Pas étonnant qu'elle vienne de s'offrir une petite pause bien méritée, sous le soleil du Maroc. Très amie avec Demdem, la femme de Maître Gims depuis des années, Vita s'est empressée de lui rendre visite dans sa somptueuse villa de Marrakech. Sur place, Vita a également retrouvé Dadju et ses enfants pour un séjour bien entouré placé sous le signe de la convivialité et du repos. Après quelques jours à Marrakech, tout porte à croire que Vita ait déjà décidé de lever l'ancre. Sur Instagram, la mère de famille a en effet partagé une photo d'elle en train d'embarquer à bord d'un jet privé. Retour à Paris ou nouvelle destination ensoleillée? Pour l'heure, la chanteuse n'a pas donné de détails sur son emploi du temps. Plutôt que de miser sur un vol en business class comme le font de nombreuses personnalités, Vita a fièrement opté pour le jet privé. Ce qui n'est pas au moyen de tout le monde. Les prix des vols en jet privé démarrent en effet 5000 euros pour les plus petites distances et peuvent aller jusqu'à 100 000 euros pour les destinations plus éloignées. Point supérieur à lire aussi, Vita, Gims et Dadju escroqués de 300 000 euros. Le verdict tombe pour l'accusé. Aliénor de la Fontaine et à lire aussi Adblock Test. Why?